Bien, bonjour à tous, je vais aujourd'hui vous parler d'arbitrage et d'amiable composition. C'est un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 mars 2016 dont je voudrais vous parler. Dans cette affaire, le réseau Carrefour avait mis en œuvre la clause d'arbitrage de son contrat de franchise conclu avec un franchisé en considérant que le droit de préférence de la société Carrefour en cas de cession des parts de la société franchisée avait été violé. La clause d'arbitrage prévoyait que les arbitres devaient statuer en amiable compositeur. Ils devaient donc examiner si la solution légale se dégageant du litige était conforme ou non à l'équité. La cession avait été réalisée entre les membres d'une même famille qui étaient tous actionnaires de la société franchisée. Et les statuts de cette société comportaient une clause d'agrément. Donc, il est certain que quand bien même Carrefour aurait préempté, exercé son pacte de préférence ou son pacte de préemption, eh bien, les actionnaires familiaux auraient parfaitement pu lui refuser l'agrément. Et donc, c'est dans ces conditions que le tribunal a estimé que, s'il y avait bien facialement une violation du droit de préemption, d'agrément et de préemption de Carrefour, eh bien, Carrefour ne pouvait se valoir finalement d'aucun préjudice du fait de l'absence d'exercice de son droit de préemption, puisque de toute façon, elle n'aurait pas été agréée. Donc, Carrefour forme un recours en annulation de la sentence arbitrale. Et finalement, ce recours en annulation est rejeté. En effet, la Cour d'appel estime que sur la mission d'amiable compositeur, les arbitres ont régulièrement confronté le droit à l'équité, en recherchant si l'effet utile de la violation de l'obligation d'information du franchiseur sur la cession envisagée, et donc l'absence de possibilité pour lui de mettre en œuvre son droit de préemption, avait une portée, et en l'occurrence, qu'elle avait bien constaté, l'absence de portée du pacte de préférence. Eh bien, la Cour estime que, dans ce cas, il n'a pas été porté atteinte aux obligations contractuelle des arbitres dans leur mission d'amiable compositeur. Alors, on voit là finalement peut-être l'intérêt, dans certains cas, qu'il peut y avoir de recourir à l'amiable composition, mais aussi les dangers de l'amiable composition. On voit ici qu'il y a clairement la violation d'un droit contractuel au préjudice du franchiseur. Néanmoins, si en droit il eût fallu du fait entrer en voie de condamnation, on voit que l'application des règles d'indemnisation de préjudice n'aurait pas conduit à grand-chose. Mais en tout cas, en amiable composition, il a finalement été jugé que, de fait, aucune sanction n'avait à être appliquée puisqu'il n'y aurait pas eu d'effectivité de la sanction. On voit donc la nuance. Elle peut être, le cas échéant, de taille. D'où l'intérêt de bien réfléchir à sa stratégie contentieuse dans la stipulation des clauses de règlement des litiges, arbitrage, par arbitrage, et si arbitrage, institutionnel, ad hoc, en droit ou amiable composition notamment. Merci de votre attention et à très bientôt.